vous allez bien? Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo unboxing puisque j'ai reçu un énorme colis de la part des Victoires de la Beauté. Vous avez vu, c'est un énorme sac hyper rempli, le voici, et je vous jure qu'il est super lourd. Donc depuis 2 ans j'ai la chance de recevoir ce colis, le beauty bag en fait. À la base ça fait déjà maintenant au moins 4-5 ans, avant j'allais aux fameuses Victoires de la Beauté qui était une soirée où on était invité, et c'était évidemment sur invitation. J'y allais souvent avec mon mari parce qu'il y avait un petit spectacle humoristique à la fin, et du coup bah je me disais que c'était le kiff d'y aller ensemble et tout, donc c'était notre petite soirée en mode à la parisienne. Et depuis 2 ans je crois, ou 3 ans, il y a eu Covid et tout ça, et du coup ils ont décidé de plus faire les soirées. C'est dommage hein, ça me manque un peu je trouve, mais ils nous envoient quand même du coup le beauty bag qui est tous les produits qui ont été nominés, qui ont le palmarès des Victoires de la Beauté, et là c'est de 2023. Donc c'est tous ces fameux produits où vous voyez ce petit logo dessus en magasin. Ben voilà, c'est ces produits qui ont été nominés et élus au palmarès. Du coup je suis trop contente de découvrir ma nouvelle sélection. Donc j'ai reçu le petit colis ce matin. J'avais trop envie de partager ça avec vous comme d'hab sur YouTube. Mais avant de vous montrer l'intérieur de ce colis, j'avais envie de vous parler de ce rouge à lèvres. Au cas où vous posez la question, je vais vous dire tout de suite la référence. C'est les fameux comme ça, vinyle Super Stevening Ink, la teinte, la 50 Wicked. Et c'est une sorte de rouge un peu fuchsia. Donc comme j'ai fait un make-up assez léger, juste un coup de liner et tout, et on dirait même d'ailleurs que je suis un peu fatiguée, mais ça va mieux hein, ça va mieux. Bah du coup j'ai mis une couleur un peu flashouille, donc je voulais vous le dire. Et allez let's go, j'ai trop hâte de découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis. Et déjà je reconnais des produits que je connais déjà et que j'aime à la folie, donc je suis trop contente. Alors la team qui me suit savent, je les ai achetés ces produits là, je les ai d'ailleurs terminés il n'y a pas longtemps. C'est la nouvelle gamme des Secrets de Loli, parce que vous savez que les Secrets de Loli c'est genre ma gamme de soins capillaires préférée pour mes boucles, hein. C'est grâce à ça que j'ai retrouvé des jolies boucles, des boucles revitalisées, des boucles toniques. Voilà, j'adore trop mes boucles. Et alors là en ce moment je suis en train de changer un petit peu de shampoing après shampoing pour pas m'habituer trop à ces produits là parce que mon cuir chevelu sinon il devient sensible. Donc là j'ai fait un autre j'utilise un autre produit, mais je reviens à chaque fois à cela hein. Et donc là je suis trop contente, c'est la nouvelle gamme donc que j'ai testé aussi, qui s'appelle Curl Potion Perfect Match et Cream Condition. Donc c'est cette gamme un peu colorée, c'est des odeurs à tomber. Vous avez donc le shampoing, l'après-shampoing, ouais c'est ça, le shampoing, l'après-shampoing qui sont là, et là on a la crème, un espèce de lait capillaire à mettre sur vos boucles. Et alors la touche finale c'est la gelée capillaire, mais je crois qu'elle a été élue aux Victoires de la Beauté l'année dernière, je crois, si je me trompe pas. Je sais que j'avais reçu un petit produit de la marque dans le beauty bag de l'année dernière. Honnêtement, ça c'est Victoires de la Beauté, mais je comprends trop. Et d'ailleurs vous êtes nombreuses sur Instagram à me dire que depuis que vous avez testé ces produits là, il y en a beaucoup qui sont trop contentes. Ils ont retrouvé des boucles libérées, hein. Libérer la boucle un peu c'est ça. Et honnêtement j'aime trop. J'ai pas encore trouvé au niveau soin, le lait et la gelée capillaire, j'ai pas encore trouvé de meilleurs produits que cette marque là. Donc vraiment je vous les conseille, je vous mets les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Deuxième produit que je connais, et je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo favori, je l'utilise tous les soirs, c'est la marque Rose Lash, le sérum de croissance pour les cils. Donc c'est le rose là, celui-ci, que j'ai et que j'utilise quasi. D'ailleurs il est bientôt fini, donc je suis trop contente d'en avoir un nouveau. Et là ils m'ont aussi envoyé le sérum de croissance pour sourcils. Donc celui-ci m'intéresse un peu moins. Évidemment comme d'hab, les produits qui m'intéressent un peu moins, restez jusqu'au bout de la vidéo parce que forcément je vais pas les garder pour collectionner, hein. Je vais partager avec vous, puisque c'est grâce à vous tout ça. Et alors à la base c'était grâce à mon blog que j'avais pu contacter un peu les Victoires de la Beauté, mais maintenant c'est lié à YouTube, à Insta, donc ça me fait plaisir de vous faire remporter des choses. Mais ça, cette marque là, j'aime beaucoup, le sérum pour les cils. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je ne sais plus si j'ai un code promo ou pas, mais en tout cas je vous mettrai le lien. Mais ça je comprends aussi que ça soit dans les nouveautés et dans les produits en vogue qui valent le coup. On a des petites gummies, alors ça c'est la tendance des gummies, un truc de dingue. D'ailleurs moi j'ai commencé mes premières gummies, comme ça j'ai découvert mes premières gummies dans les Victoires de la Beauté, dans ce sac beauty bag. Et donc là c'est des gummies pour les cheveux, beauté et pousse des cheveux à base de Rocket Myrtille Horti. Donc ça s'appelle Sublime Cheveux de la marque Santarum Bio. Donc ça pourquoi pas les tester, il faut en prendre je pense 2 par jour, non? Ouais c'est ça, 2 par jour. Écoutez ma foi, j'ai envie d'avoir un peu les cheveux plus longs, donc pourquoi pas commencer cette routine et vous en reparler.
On a un produit de la marque Condensé Paris Rose Active, un concentré de nuit Hydra Nuit. Et alors celui-ci, toute la marque Condensé, j'en avais reçu déjà dans les anciens victoires de la, dans les anciens bagues. Et à chaque fois, je les ai donnés à ma mère parce que ma mère, elle adore les soins comme ça. Surtout que c'est à base de rose et c'est pas mon kiff, mais elle, elle aime beaucoup, donc ça, ça va être pour ma maman. Je suis super contente parce que du coup c'est un sérum de nuit et ça, ça va pas lui faire de mal parce que elle a tendance à négliger un peu sa peau parfois, hein. Mais ça, ça va être très très bien pour elle, elle va être trop contente. On a un masque hydratant cheveux normaux à sec de la marque Nat et Nov Bio. Je connais pas du tout cette marque, mais c'est un gros pot, donc ça a l'air d'être une marque un peu 100% vegan, peau recyclé à 99%, fabriqué en France, et c'est à base de concombre. On testera avec mes enfants, surtout ma fille, parce qu'on fait des soins pour les cheveux, évidemment. C'est pas parce qu'on a une routine book qu'on fait pas de soins pour les cheveux. Il y a trop de choses. Alors, on a un gros pot comme ça. Vital Protein Marine Collagène, 12 grammes de collagène par portion, un ingrédient non aromatisé, et c'est une sorte de complément alimentaire. Honnêtement, le poisson me donne pas envie, mais je pense que c'est parce que c'est à... marine, hein, donc ça doit être référence à l'eau. Mais donc peptide de collagène, donc c'est du poisson, ah, c'est aussi pour ça. Et peut contenir du lait. Mélangez 1 à 2 cuillères doseuse harassée dans la boisson de votre choix, 1 à 2 fois par jour sans dépasser la dose journalière. Donc je pense que tout ce qui est collagène, c'est bon pour la peau, si je ne me trompe pas. Contribue à une peau plus lisse et plus ferme, aide à maintenir l'élasticité de la peau. Se mélange à une boisson chaude ou froide. Ah, bah ça c'est bien à savoir. Pourquoi pas tester? Parce que j'aimerais voir si ça fonctionne un peu. Et puis peut-être dans les smoothies, les choses comme ça, là, avec les beaux jours qui arrivent, ça peut être cool. Donc contente. C'est la marque Vital Protein. Si vous connaissez d'ailleurs des marques et tout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On a... Ah bah, je voulais... Mais cette huile, elle est en vogue aussi en ce moment. C'est l'huile universelle de surgras de la marque Cavaillès. Et en fait, on l'a reçue pas mal de fois dans les miniatures de box, là, les Blissim, tout ça. Et donc là, on l'a en grand format. Et c'est vrai qu'elle est canon. L'odeur est trop bien. Ça hydrate super bien la peau pour les jambes et tout, les enfants, toute la famille. Donc là, bah, un grand format, ça va être trop trop bien pour toute la famille, encore une fois, pour pouvoir l'utiliser sans problème. Oh, trop contente, on a du dentifrice. Alors ouais, c'est un truc bête, mais moi j'adore recevoir ce genre de produit. Donc là, c'est un Colgate dentifrice au fluor, extrait naturel, bio, fraîcheur, citron agrume, tiens. Alors là, plutôt conquise. J'ai hâte de tester parce que ça... Je connais pas. Vraiment, j'ai jamais, je crois, pris de dentifrice au citron agrume. Un petit produit de la marque Demain. Ah, d'ailleurs, j'en ai un que je dois tester. Là, c'est un soin nuit régénérant universel, comme ça, fermeté, élasticité, hydratation, éclat de la peau. Et j'ai un produit de cette marque là qui est un espèce de démaquillant que j'allais mettre dans ma routine bientôt. Donc je pense que quand je vais mettre le démaquillant, je vais mettre ça avec, comme ça au moins j'aurai deux produits de la même marque. J'aime bien avoir des produits qui correspondent dans ma routine du soir. Donc je pense que je le mettrai dans ma routine au même moment. On a un sérum tout type de cheveux de la marque Booster, dans la marque Coiffance plutôt, et il s'appelle Booster. Donc un sérum pour les cheveux, j'imagine pour booster la pousse des cheveux, appliquer sur le cuir chevelier et les cheveux secs, masser, laisser poser 15 minutes et rincer soigneusement. Donc c'est à faire avant son lavage de cheveux, hein. Donc pourquoi pas tester? Écoutez, jamais testé ce genre de produit parce que mes cheveux poussent assez vite, mais là j'ai l'impression qu'ils poussent pas beaucoup, mais en même temps je les ai coupés il n'y a pas très longtemps. On a ensuite un sérum bio intense à la ruche de la marque Phytoabelescence, la nature au service de votre beauté, sublime, lisse et protège les peaux relâchées, fatiguées, en manque d'éclat. C'est un peu trop ma peau là en ce moment, vraiment elle manque d'éclat, il manque du soleil. Et 100% ingrédients naturels et soins des peaux sensibles, grasses, sèches, mais ah bah ouais, c'est pour tout le monde. Interne, asphyxié, fatigué, peau flétrie, relâchée, rides, ridules, pores dilatés, cernes, en fait tous les problèmes de peau, c'est pour vous quoi. Il est préférable d'appliquer le sérum le soir pour booster l'efficacité des actifs et du soin pendant la nuit. Eh ben écoutez, à base d'abeilles, hein, de tout ce qui est abeilles, ouais, c'est pas mal. Ah, il est pas mal le format en plus, hein, en flacon pompe comme ça, c'est très bien. Ça, alors moi les sérums de nuit, les sérums de jour, j'adore, c'est mon étape préférée dans les soins. On a un... Alors là, je ne sais pas ce que c'est ce truc, mais ça a l'air d'être un duo. Live Duo Renew de la marque Pure Reality. Et à l'intérieur, il y a l'air d'avoir deux produits. Regardez-moi ça, hop.
Et alors, à quoi ça sert? Le Reset Essence et le Purify Shot. Donc, tout est en anglais. Ah oui, d'accord, il faut mettre l'un dans l'autre. Donc celui-ci, il faut le verser dans celui-ci, faire le petit mélange et ensuite l'utiliser. Alors quand 2-3 fois. Donc mélanger 2-3 fois, utiliser le matin et chaque jour pour avoir une belle peau et après l'avoir nettoyé. Il faut, comme c'est une sorte de traitement, il faut l'utiliser 6 semaines. Ça m'intrigue ça. Alors, je vais regarder un peu cette marque-là, je ne connais pas la marque Reality comme ça. Mais ouais, j'espère que vous verrez bien les packaging parce que comme c'est ma nouvelle caméra, je ne sais pas ce que ça rend au niveau des zooms et tout, mais j'espère. On a un soin blush de peau, une crème visage défatigante comme ça de la marque Embryolisse. Et ça c'est une marque que j'aime beaucoup, mais je connais pas du tout ce nouveau produit, j'en ai même pas entendu parler quoi. Regardez-moi la teinte, c'est vraiment la teinte d'un blush quoi. J'adore la couleur d'ailleurs du packaging et tout, vraiment très très canon. Et donc ça fait une crème visage défatigante rose lumière qui va vous donner une sorte de glow, anti-fatigue skin care rose glow. Ça j'ai trop envie de tester, donc ça va mettre évidemment le matin. Là je vais juste voir la... Ah ouais, la texture. Regardez-moi ça. C'est vraiment impressionnant. Alors on va mettre une goutte là, parce que ça m'intrigue de voir... Oh là là, ça donne envie quand même. Donc j'ai mis une petite goutte sur mon... Ah ouais. Ah ouais, ça vous donne vraiment ce petit teint un peu rosé. Ouais, vraiment en mode... vous avez pris un peu le soleil, un truc un peu... Il n'y a pas d'odeur spécifique, ça sent. Cette petite odeur d'Embryolisse qui est très agréable, qui n'est pas fort du tout. Donc trop content de ça, je vais tester aussi. Oh, il y a trop de produits que je vais mettre dans ma nouvelle routine, ça va pas du tout ça. Bon, on va pas chouiner, mais là, il y a vraiment des très beaux produits dans cette sélection, je trouve. On a un autre sérum zéro défaut, 99% d'origine naturelle, qui s'appelle Harvest 10 ou Harvest 10. Et le voici, donc packaging plutôt soft, très papier recyclé. Et c'est un sérum, ah ouais, pas mal, en mode comme ça, là, vous savez, avec une pipette. Et alors, zéro défaut. Faut que je vérifie, donc c'est à base de carottes, tiens, extrait de carottes bio et de bakuchiol, 1% de bakuchiol. Et ça, j'ai un produit en ce moment que je vais mettre dans ma routine avec du bakuchiol aussi, qui, là c'est un sérum anti-imperfection du coup, à voir si c'est adapté pour mon type de peau, même s'ils disent que c'est pour tout type de peau, qui apporte de l'éclat pour une peau sublimée, appliqué matin et soir sur le visage et le cou. Mais j'ai un produit avec du bakuchiol dedans, mais c'est à mettre que le soir. On a deux produits Garantia. Et l'année dernière aussi, il y avait une petite sélection Garantia qui était vraiment canon. Donc là, on a une crème sublime de nuit régénératrice. Vous voyez qu'il y a du produit pour la nuit là, les gars. Et on a un sérum double phase éclat jeunesse, booster de vitamine C. Donc pareil, c'est... Ah ouais, ce sérum, on le connaît. Je le connais, je crois. Ouais. Je l'ai aussi déjà. Trop bien. Bon, alors si je l'ai en triple exemplaire, il y en a un qui va aller finir pour vous. Hein. Je vais juste vérifier dans mes stocks. Mais donc là, c'est histoire de faire le sérum et la crème de nuit. Est-ce que je vous montre ça à l'endroit? Non. Voilà. Le sérum et la crème de nuit de chez Garantia. Donc c'est plutôt pas mal pour avoir une nouvelle routine. Et honnêtement, il y a de quoi avoir une peau de malade. Mais non, c'est pas fini chez Garantia. On a un autre produit Garantia. C'est la poudre magique éclat et jeunesse. Ah non, une poudre? Sérieux? Alors là... Mais j'ai pas vu passer ça non plus. La fille, elle est pas in. Hein. Poudre magique éclat jeunesse. Alors, comment ça s'utilise? Mixez une cuillère avec votre soin Garantia habituel. Appliquez matin et soir sur le visage. Ah ouais, d'accord. C'est à mélanger du coup avec votre crème pour avoir encore plus d'éclat. Trop bien. Je sais pas si vous en avez entendu parler de cette poudre, mais là, trop bien. Alors, on a un petit produit, Révèle ta beauté musquée, c'est Né en Orient, c'est quoi la marque? Alors, attendez, j'essaie de trouver l'irrésistible gel parfumant, une peau parfumée dans la durée, une texture gel unique, ultra confort. Ah, c'est parfume ton intimité. Appliquez ce produit sur les zones chaudes du corps, l'aine, l'entrecuisse, le décolleté et le cou et les poignets. Ça se présente comme ça, ce petit produit-là. Donc, la marque, bah écoutez... USC, ouais c'est ça, USC Intime. Et donc c'est un gel. Oula. Alors attendez, Karine elle a fait n'importe quoi. Ah ouais, c'est un flacon pompe comme ça. Écoutez, ça m'intrigue. J'ai envie de tester sur le poignet. Ah, ça a vraiment une texture de gel. Hein. Ah oui, c'est parfumé, mais.
Vous savez, c'est cette odeur à l'ancienne. J'aime pas. Enfin, après, c'est tout doux, hein. C'est une petite odeur. Mais c'est assez gras, hein, quand même. C'est particulier comme texture. Vraiment, le concept est particulier. Vraiment, je vous jure que là, assez sceptique. C'est un peu gras en plus. Ouais, c'est l'odeur, ça me rappelle l'odeur de ma mamie. Alors, c'est pas négatif, hein, mais c'est pas ce que je préfère comme odeur. Peut-être qu'il y a un peu de rose dedans. Je sais pas, mais c'est pas mon kiff. On a un produit Bécom Bio organique. Et ça, je suis trop contente. C'est une marque que j'aime beaucoup, Bécom Bio. J'avais toute une routine pour le visage que j'aimais beaucoup. Là, c'est une lotion perfectrice 4 en 1. Purifie, lisse, illumine et resserre les pores. Donc, à utiliser tous les jours en nettoyage de peau, quoi. Et ça permet voilà, de donner une petite action avant de mettre ses soins. Ça, c'est très très bien. Donc, ça, je vais l'utiliser. Donc, Bécom Bio, c'est une marque que vous pouvez trouver en pharmacie, sur certains sites internet, qui est très 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 bien cotée. Oh, trop bien, on a une huile gommante à la fleur de sel de l'île de Ré, de la marque Biosaline. Le produit est canon. Et à l'intérieur, ouais, on voit là, il y a des morceaux. Je sais pas si vous verrez, mais ça a l'air trop bien. Donc sous forme d'huile, mais gommante. Et ça, c'est trop canon. Il y a des merveilles, vraiment, je suis choquée. Il y a des merveilles. On a deux produits comme ça pour bébé. Oh, c'est trop bien pour mon fils, ça va être trop sympa. Donc de la marque Agapi, on a une eau nettoyante caresse visage et corps et un gel lavant douceur pour les bébés comme ça. Les packagings sont parfaits au niveau du haut là, puisque c'est très pratique. On a 99% d'origine naturelle, actif breveté hydratant à base de calendula bio et s'utilise dès la naissance. Donc ça, même si moi mes enfants sont un peu plus grands, ils vont l'utiliser. Hein. Mon fils qui a bientôt 4 ans, mon petit dernier, eh bien il va l'utiliser sans problème. Et de la marque toujours Agapi, on a un petit lait, une petite crème hydratante très confortante, visage et corps, pour toute la famille, hein, ils disent bien. Hein. Et c'est trop bien, et j'ai pas dit, mais c'est bio, hein, la marque Agapi. Je connais pas du tout cette marque-là, c'est vrai que je me suis pas penchée sur tous les produits bébés comme ça, mais très intéressant, c'est vraiment pas mal du tout. Et bah tenez, dans la marque Usk, dans cette marque-là, le petit soin-là, d'ailleurs ça sent, hein, mais c'est pas ce que je préfère comme odeur, vraiment. Dans cette marque-là, on a une mousse nettoyante intime au musc blanc. Bah moi, je trouve pas que ça sente le musc, parce que le musc j'aime bien, mais là j'aime pas trop. Et alors ça c'est plutôt bien. Ça c'est pas, moi j'aime bien, alors je n'utilise pas beaucoup de produits intimes, puisque j'aime bien utiliser tout ce qui est surgras pour mes parties intimes, mais là, une mousse comme ça nettoyante, ça peut être pas mal. Donc faut faire attention, c'est pas pour le visage, c'est pour les parties intimes. On a un mascara de la marque Infiniment Vous Make Up France, je connais pas du tout cette marque. Ah ouais, mais bizarre le mascara. Ah ouais, c'est un mascara avec des fibres. Mais non, fibres naturelles pour les cils plus longs et plus épais. Regardez à quoi il ressemble. Non mais... Le mascara, il a une dégaine. Écoutez, il m'intrigue. Ah ouais, ok. Il y a vraiment, vraiment, vraiment que des fibres dessus. C'est tombé du coup. Après, je pense que vous mettez ça par-dessus votre mascara, en fait, à vous. Ouais, il faut l'appliquer sur votre mascara qui est encore un peu humide et effectuer des mouvements de rotation, passer une deuxième couche ensuite de votre mascara. Ça aussi, je vais tester. Ça aussi. Parce que moi, déjà, je mets deux couches de mascara de base. Donc, si je rajoute ça, ça peut être canon. Et on a d'autres choses. Mais il y a trop de choses. Vraiment, cette box est dingue. On a ce grand truc-là. Des bandages drainants pour les... Et ça, j'en ai entendu parler quelque part. Ça me dit quelque chose. Remodelant et drainant, efficace dès la première utilisation. Formule saline osmotique avec essine végétale. Réduit la circonférence des jambes. Draine intensément les liquides cutanés. Du coup, ça aide comme ça à faire circuler le sang. Donc là, il y a un kit de bandage, une utilisation, deux bandages réutilisables, prêts à l'emploi. Donc écoutez, si vous en avez entendu parler, dites-moi ça. Mais ça me dit quelque chose. J'ai dû en entendre parler quelque part. Je m'en rappelle plus. Ah, on a quelques prospectus à l'intérieur pour découvrir un peu plus certaines marques. Donc ça, c'est cool. Et on a un dernier pochon qui est méga lourd de la marque, je pense, Activilong. Et c'est une marque que j'aime trop. Et ça s'appelle Coco d'Amour. Mais il est... Oh ! Mais non ! Mais ce bague, il est fait pour moi. Je vous jure, il est fait pour moi. Je trouve qu'il est canon cette année. C'est le meilleur bague du siècle. Donc là, ils ont mis un pochon spécial Coco d'Amour de la marque Activilong. C'est une marque aussi de soins capillaires pour les boucles. J'ai adoré quand j'avais testé leur lait capillaire. J'avais vraiment adoré, mais ça fait très longtemps que j'ai participé. Ça doit faire au moins 4 ans. Vraiment, ça fait longtemps.
Et là, donc, ils ont fait tout un bac spécial coco. Et là, je vois qu'on a un pot comme ça d'huile de coconut. Mais trop fort. Trop fort. Confiture extra coco. Mais non, de la confiture, quoi. La confiture de coco, c'est bizarre, hein, quand même. Ça donne pas envie de la confiture de coco, mais je trouve que l'intention est trop cool. Noix de coco, sucre, ouais, bah, c'est vraiment de la confiture. Hein. C'est trop bien qu'ils aient mis ça dedans. Et il y a les fameux soins de la marque Activilon, mais c'est une nouvelle gamme spéciale coco, parce que c'est vrai qu'avant, je crois que c'était pas passion, je ne sais plus. C'était un ingrédient qui sentait très bon, d'ailleurs, j'aimais bien, mais c'était méga fort leur... l'odeur, mais j'aimais bien. Donc là, c'est la crème sorbet qui définit les boucles, comme ça, et à la noix de coco. Alors ça, faut trop que je sente. Oh non, c'est fermé! Frustration. Et on a trois produits, comme ceci, pour se faire vraiment une big routine. Mais trop bien. On a la brume légère, eau et huile de coco bio, cheveux secs et texturés, donc exactement pour nous, hein, dans la famille. On a une gelée gourmande, pulpe de coco et eau de coco aussi. Et le soin esquit 3 en 1. Démêle, hydrate, cheveux secs et texturés. Alors, dis donc. Ah ouais, il sert de... Mais... Ah ouais, il fait tout en fait. Ce produit-là, il fait tout en mode shampoing après shampoing et même hydratant quoi. Et alors, on va en ouvrir un pour sentir quand même parce qu'il n'y a pas moyen. Ah ouais. Ça sent trop bon. Mais non, mais ça sent... Ça sent trop bon les îles. Là, ça sent vraiment bon les îles. Je suis trop contente. Bon, mis à part ça, je ne suis pas extrêmement fan. Le pochon, il est canon. La nouvelle gamme, là, elle a l'air dingue, dingue, dingue. Écoutez, il y a des choses qui vont être pour vous. Évidemment, je vais mettre de côté des petites choses pour vous, comme d'hab. Vous mettez dans le petit commentaire bonus pour pouvoir gagner un petit lot concours surprise, comme d'hab. J'adore vous faire ça dans les vidéos. Je vous invite à mettre un petit commentaire où vous allez justement me mettre le mot coco. Parce qu'on finit sur cette touche... toute sympa, j'ai trop hâte de tester pas mal de choses, je vous ferai des retours sur Insta, toujours, et est-ce que je ferai pas un article sur mon blog? Why not? Pourquoi pas se relancer un petit peu, et en tout cas, sinon dans mes vidéos favoris flop, je pense que ça reviendra et je vous parlerai de ce que j'ai testé, ce que j'ai pas aimé, et évidemment ce que j'ai gardé pour vous, ben, je vous le mets de côté, mais faut l'avouer, n'hésitez pas à me dire, vous, mettre un petit like ou un dislike si vous trouvez que ce pochon beauty bag est canon et que cette année, aux Victoires de la Beauté, il y avait des pépites. Je reste choquée de tout ça, vraiment. Bon, bref, sur ce, j'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires, savoir ce que... D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, en plus du petit mot coco dans votre commentaire, vous, ce que vous utilisez en ce moment dans votre routine, quelle est la marque des soins que vous utilisez dans votre routine du matin ou de soir, n'hésitez pas à me dire, voilà, parce que ça m'intéresse. En ce moment, je me cherche un peu au niveau routine du visage. Pourtant, d'habitude, j'ai pas de problème, mais en ce moment, j'ai la peau très très sèche. Du coup, j'attends vos commentaires, vos retours, comme ça, ça me donnera peut-être des indications, des petites choses. Et puis évidemment, après, je testerai certains de ces produits-là. Peut-être qu'ils seront magiques. Je sais que ma mère, à chaque fois que je lui donne des produits que j'ai dans les beauty bags, elle est juste trop heureuse. Elle me dit « Oh, j'ai trop adoré ce produit, j'ai trop adoré ce produit. » Donc c'est vraiment, quand vous voyez ce petit logo Victoire de la Beauté, sachez que c'est des produits testés et approuvés, que ce soit par des inconnus, mais aussi souvent par les blogueurs et les youtubeurs. Bref, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous invite à me rejoindre dans les commentaires, à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous dis à très vite. Salut !